Bonjour tout le monde. Alors, je viens de finir mon dessin dans le livre Doodles, Delicious Doodles, par Terry Sherman. Et je vais faire mon fond avec vous, si ça vous intéresse. Alors, je vais utiliser mes pastels Sargent Art. Et je vais commencer avec vous. Alors, je vais faire un peu de vert ici. Je vais faire un petit peu de vert ici. Alors, j'ai fait le tour au Posca. Hein? Je vais faire du vert ici et après, en montant, je vais faire un peu de bleu pour représenter le ciel. Et après, je verrai. Je sais pas, je vais peut-être mettre un petit nuage. Je vais voir au fur et à mesure. Je vais changer mon coton de côté, je vais peut-être mettre un petit peu de bleu, du bleu clair, et on partira sur du plus foncé. Et après, je mettrai Alors, j'ai pas réfléchi avant à ce que j'allais faire, hein. C'est vraiment au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. Voilà. Là maintenant, je vais réutiliser mon petit. Enfin, c'est pas le même évidemment, hein, mais je vais réutiliser un petit nuage, un petit pochoir. Enfin, c'est un post-it. Et je vais faire un petit nuage gris ici. Je vais regarder ici. Un petit nuage comme ça. Je vais en faire un de l'autre côté. Et je ferai un ciel bleu autour. C'est juste pour habiller un petit peu le fond. Voilà, je vais en mettre un là. Comme ça.
pour habiller un peu. Comme ça. Voilà. Je vais remonter un peu le gris pour pas que ça fasse trop la marque du post-it en fait. On va flouter un petit peu là. Voilà. Voilà. Hein? Et après, je vais refaire du. Là, je vais faire pareil. Je vais me reculer un peu. Voilà, et maintenant, on va mettre du bleu. Rectifier un peu là, parce que ça me fait une marque. Voilà. Et maintenant, on va mettre du bleu. Bleu un petit peu plus soutenu. Alors, je vous montre. Tout à l'heure, j'ai utilisé celui-là. Maintenant, je vais utiliser celui-là. Sont des pastels Sargent Art. Alors si vous intéresse, je vous avais mis le lien sous la dernière vidéo que j'avais faite. Là, vous voyez bien. J'ai pas la main devant. Mais bon, si vous voulez, je vous remettrai le lien quand même sous la vidéo. Je vous remettrai quand même le lien. De toute façon, c'est vite fait. Il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Ça ajoute toujours un petit plus, moi je trouve, de rajouter des petites choses comme ça. Je sais que moi ça m'amuse beaucoup. Voilà. Et en même temps, j'efface un petit peu pour que ce soit pas trop net le nuage. J'efface un petit peu avec le. Avec le pastel, avec le coton. Pour que. Pas que ça fasse trop net non plus. Voilà. Hop.
Alors on peut en rajouter autant qu'on veut, hein, du pastel, hein. Moi je sais que j'aime bien en rajouter. Si vous en mettez, enfin là moi j'ai fait le tour en Posca noir, pardon. J'ai fait le tour au Posca noir et si vous mettez un petit peu de pastel sur le Posca, il faut essuyer avec un coton propre, hein, ça part. Il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que ça fait quand même plus naturel comme ça. Pas que ça fasse trop net. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Et voilà, c'est terminé. Je pense que c'est bon comme ça. Je pense que c'est suffisant. Là, je vais essuyer un petit peu le tour pour que ce soit propre. Et moi après, bah, je mets pas de fixatif en fait. Parce que je supporte pas du tout l'odeur, même dehors, j'ai essayé. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de laque à cheveux. Un petit peu, pas trop, hein. Je fais 2-3 pulvérisations et il n'y a pas de souci, ça tient, hein. Voilà. La petite vidéo. Fond au pastel sec, Sargent Art. Merci d'avoir regardé, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.